comedian, very, very funny. She actually just opened for Patton Oswalt. She also was at the Just for Laughs Comedy Festival. Please give it up for Iman El Husseini. Give it up! Okay, the camera crew's here for me, so don't embarrass me, everybody. Okay, good. They think I'm famous in Canada. When I walked in here, one of the audience members asked me to bring them a fork. So this is, my career is on fire. I am from Montreal. People get excited about Montreal because we're a party city. We're a party city. We're famous for our strip clubs. You could touch the strippers. Apparently that's a big deal. She's pointing at her husband. Great, okay. But I happen to be Muslim. I can't help but wonder, how would strip clubs be in a Muslim country? Assalamu alaikum, hello. Would it be the opposite of here? Like people start off naked and slowly put on layers of clothing. People throw coins and stones at them. I don't know. They're laughing. The Muslims are laughing. We're fine. Okay. Alors, il y a des gens qui pensent que je ne devrais pas dire que je suis musulmane. Et je trouve que c'est tellement hypocrite parce que notre religion vraiment insiste sur la relation de toi personnellement avec Dieu. Alors, ce n'est pas à quelqu'un de te dire comment t'exprimer ou, comment, ou quel genre de musulman être, tu sais. Puis moi, je trouve que j'ai une relation privée, même si je suis pas comme à 100% religieuse dans la définition traditionnelle, tu sais. Est-ce que l'Ordonie ou le Libanais? Libanais. Est-ce que tu as un Palestinien? Non. Tu as un Yémeni? Non. Là? Non. Bonjour. Hey, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va bien et vous? Oui. Oh mon Dieu, ils sont beaux. Eh oui, ils sont comme le vendeur. Passez une belle semaine, oui. Je parle rarement de religion. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de personnel. Oui. De dire que je suis musulmane, je le dis parce que je suis dans un environnement où il y a de l'islamophobie, où il y a des préjugés négatifs à l'encontre des musulmanes et des musulmans. Alors oui, pour défaire ces préjugés-là, j'ai commencé à dire « ben, je suis musulmane » et honnêtement, ça crée beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Je me dis « mais non, ça se peut pas ». Mais j'ai dit « oui, ça se peut ». Pourquoi? Parce que vous avez une vision qui est fausse des femmes musulmanes. C'est pas moi qui suis dans, c'est pas moi qui suis l'exception. C'est ce que vous avez dans la tête qui ne correspond pas à la réalité. Donc, c'est un acte politique, finalement. Je suis une citoyenne comme tout le monde, okay, du Canada, du Maroc et du monde, d'accord? J'ai une religion. Hein? La personne en face de moi n'a même pas besoin de savoir c'est quoi cette religion. Bon. Maintenant, j'ai quand même un privilège que je ne porte pas le foulard sur ma tête. Ok, je me cache pas les cheveux et donc je ne suis pas musulmane visiblement. On a vu au Québec des montées d'agressions sur les femmes qui sont visiblement musulmanes. People are often surprised to discover that I'm Muslim because I don't fit the profile, right? I'm not a hijabi or a niqabi. I'm more of a cleavagey Muslim. That's our category, I think. We like showing our breasts. Okay. I am a Canadian Muslim. I'm also originally Palestinian, which we never get that. That is so sweet. Thank you so much. Do you work at the airport, sir? That would be amazing. Palestinian, woo, come on in. It never happens, never happens. It's not easy being Palestinian nowadays or for the past 7 decades, hey? It hasn't been the guy with the kippah? Okay, good. Not easy, but I feel like we're a unique minority group. I feel like we're the only ethnic minority that gets excited when a racist person tells us to go back to our country.
It's like, hey, why don't you go back to your country? Oh my God, thank you so much, sir. That is so sweet. He thinks we have a country. That is so nice. Thank you. Free Palestine. That's... Thank you. The kippah's not clapping. Okay, good. Hopefully you'll clap at this. So, what did I say? Canadian Muslim, cleavagey, Palestinian. I'm checking all the boxes. Oh yeah, I'm gay married. Yes. To a Jewish woman. Thank you. So what was it like starting off doing stand-up then? It was awful, just as you would expect. It's not a career that I ever recommend to anybody. Okay. But I was drawn to it because I love the fact that a lot of people were exposed to me for the first time. Mm-hmm. So just like giving people a different idea of what it is to be an Arab woman, a Muslim woman, and just, you know, a funny person. And you lived in the Middle East then as well. I did. I grew up in Kuwait, yeah. Ooh. The stereotypes that I had to deal with when I moved to Canada about Arabs were shocking. Yeah. So that was my culture shock coming to Canada, that people perceived us in such a negative way when I thought we were so cool. Assalamu alaikum. L'exposition à des personnes musulmanes, elle n'est pas censée se passer du type « Salut, je me présente, je m'appelle Lubna et je suis musulmane. » Quand on a un lien, une petite relation, bébé relation, on peut se poser des questions, puis qu'ils n'ont plus osé, et qu'on a besoin pour clarifier des trucs. Il n'y a aucun problème, on n'est pas né avec toute la compréhension du monde, non. Mais il faut être exposé à l'autre pour pouvoir demander des questions poliment. Et pour pouvoir demander des questions poliment, il faut avoir une relation. Très nice. Pour moi, c'est ça la meilleure façon de connaître une autre culture, une autre religion, une autre langue. C'est une exposition à l'autre. Voir l'autre et dire « Oh, tu es moi ». On va se parler, on va se partager des choses, on va voir des amis, on va essayer de se connaître comme des êtres humains. Je suis née et j'ai grandi au Maroc, à Casablanca plus exactement. J'ai fait des études universitaires en France. Après ça, je suis revenue au Maroc. J'ai travaillé comme journaliste dans l'équipe qui a cofondé Femmes du Maroc, qui est un magazine qui s'intéressait aux droits des femmes marocaines, donc qui était féministe. Après ça, j'ai immigré au Canada. Je suis venue m'installer à Montréal, ça fait une vingtaine d'années. J'ai aussi été journaliste et en 2017, j'ai publié un livre qui s'appelle « Les monologues du voile » sur les réalités et les perceptions autour du voile que portent des femmes musulmanes. Bonjour Madame Bénis. Bon matin. Bienvenue Bonjour. À l'émission. Merci. Le livre s'appelle « Les monologues du voile », référence directe au monologue du vagin. Absolument. Il y a quelques années, qui a été très populaire d'ailleurs aussi. Pourquoi vous vous êtes intéressée, vous, musulmane, au port du voile ici au Québec? Parce que ça fait longtemps que j'ai réfléchi et surtout parce que ça fait 10 ans qu'on en débat au Québec et honnêtement, ça fait 10 ans qu'on se pogne au Québec là-dessus. Hein? et je pense pas qu'on doive tous être d'accord sur le voile en toute honnêteté. C'est pas, et c'est important que les opinions s'expriment sur la place publique et qu'on soit pas d'accord, ça c'est pas le problème. Mais ce qui me rend triste, c'est qu'on est plus, c'est comme on dirait, on n'est plus capable d'en parler sans se déchirer, sans que ça se dérape. J'ai été invitée dans les médias comme autrice des monologues du voile. Ça a été une expérience extrêmement positive quand le livre a été lancé. Mais après ça, quand je vous dis le débat sur le voile revient régulièrement à beaucoup, beaucoup d'occasions, j'ai été invitée à plusieurs reprises et j'ai décliné beaucoup d'invitations parce que ce que j'explique dans le livre, c'est que les médias fonctionnent selon un certain modèle. Les médias, en fait, ont des gros problèmes de budget, de financement. Ils sont en perte de vitesse. Et un des moyens de survivre,
c'est de faire du journalisme d'émotion. En fait, il y a un grand décalage entre ce qu'on voit dans les médias et sur les musulmanes et sur les musulmans et la réalité de ces populations, pour la simple et bonne raison que les personnes musulmanes qui sont ici viennent d'énormément de pays, de cultures différentes, de langues différentes. Et au niveau de la religion, il y a des courants de pensée qui sont différents, il y a des traditions religieuses qui sont différentes. Et ça, c'est complètement ignoré. En fait, dans les médias, on parle des musulmans comme un bloc monolithique. Mais c'est impossible d'avoir... C'est comme si je disais les chrétiens, ils pensent tous comme ça. Mais c'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Donc, c'est un bloc monolithique qui est étranger et qui est tenu à distance. La chose qui fait aussi qu'il y a un décalage entre ce qu'on représente dans les médias et la réalité, c'est les photos. Une image vaut mille mots, hein, comme on dit. Quand on regarde les images qui sont associées à des articles sur l'immigration, à des articles sur la francisation, à des articles sur la laïcité, on voit beaucoup, beaucoup de femmes voilées. On voit aussi beaucoup d'hommes qui font la prière dans les mosquées. Puis ces images sont vraiment importantes parce que vous n'avez même pas besoin de lire des textes ou d'écouter le reportage et l'analyse des journalistes à la télévision. Vous voyez juste des images, des images, des images. Et ces nombreuses images, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que toutes les femmes musulmanes sont voilées. Ça, c'est faux. Au Québec, c'est une minorité des femmes qui sont voilées, mais leur représentativité est voilée. On dit qu'il y a des femmes en burqa et en niqab, alors qu'elles se comptent en quelques dizaines. Honnêtement, si je n'étais pas musulmane et si je n'avais pas grandi dans un pays à majorité musulmane, je serais complètement islamophobe. J'aurais peur des hommes musulmans. Je penserais qu'il faut absolument libérer ces pauvres femmes musulmanes qui vivent complètement opprimées, qui sont soumises, qui sont avec des hommes complètement violents, qui sont dans des cultures coercitives. Je serais moi-même islamophobe. Vraiment, si je regardais juste ce que nous disent nos médias, si j'avais jamais parlé à aucune personne, mais oui, j'aurais peur, moi aussi. C'est le monstre sous le lit, quoi. Il y a un monstre sous mon lit quand je dors. Voilà, quoi, c'est la même chose. Et si le monde s'ouvre au voisin, okay, s'ouvre à l'autre personne en disant « Hey, cette personne-là, c'est pas une personne qui est musulmane ou qui est américaine. » ou somalienne, ou juive. Non, c'est un être humain. Muslims, we're not very popular. People don't like us very much. We're not, I don't get it. Like, I get it, but I don't get it. We've contributed so much to society. We've done so many good things. But a lot of contributions, and like really good stuff too. You know, like soap, coffee, math, you know, Uber drivers, a lot of... good things, but people don't like us. They don't like us. We're very popular on the news. We're the rock stars of the news. Don't be jealous. Le 11 septembre 2001, j'ai regardé avec effroi les images des attentats. J'ai également compris que ces terroristes venaient de condamner les musulmans à la colère et à la haine en Occident. J'ai depuis cette tragédie discuté avec énormément de femmes musulmanes à travers le Canada. C'est ce qui m'a poussée à faire ce film. Un besoin urgent de témoigner pour empêcher les extrémistes de tous bords de nous ensevelir. Quand je suis arrivée au Québec, quand je disais bonjour, je disais je m'appelle Kenza, on me dit « Ah, c'est joli comme prénom, ça vient d'où ?» Je dis « Ça vient du Maroc. » Aujourd'hui, quand je dis « Je m'appelle Kenza, est-ce que tu es musulmane ? Est-ce que tu pries ?» Le ramadan, on suppose tout de suite que je le fais. Donc, il y a une relation claire entre le fait d'être marocaine, après ça musulmane, après ça avec la piété. On embarque tout de suite sur des sujets comme cela. Ce que ça dit, c'est que ça biaise les relations qu'on a avec les personnes parce qu'elles pensent des choses fausses. Et ça, c'est dommage
pour le tissu social et pour les relations entre les personnes. Early on, a lot of my inspiration to make work was I wanted to see different images about my experience. I didn't see anything in sort of mass media. Kind of saw the same kinds of images of Muslim women or about spiritual life or religious life. And I wanted to change that. I wanted to add more images that could be out there in the world that reflects different kinds of experiences. And I think I work in the realm of contemporary art because I'm also tired of, you know, the images we get in kind of traditional journalism or print magazine, and the place of contemporary art allows me to kind of push some of those boundaries. I make art to understand who I am. My art is about asking the big questions. Who am I? What does it mean to be here? Where do I belong? I think these are like the big human questions that we all ask. When I ask those questions in my art, the first language I inherited to ask these questions was Islam. Je me suis mise à poser beaucoup de questions quand j'étais jeune par rapport justement à la religion, à mes parents, par rapport à ce côté patriarcal. Je croyais que la religion préférait l'homme, la religion donnait plus à l'homme, la culture donnait plus à l'homme qu'à la femme. Donc, dans un élan de rébellion, j'ai tout rejeté. Tout. De A à Z jusqu'à peut-être mes 18-19 ans. Pour moi, j'étais pas musulmane, je voulais rien savoir, je disais pas que j'étais marocaine, j'étais québécoise, et c'est tout. Plus tard, en vieillissant, je me suis rendu compte que d'avoir rejeté toute cette partie chez moi m'a juste vraiment débalancée en tant que personne. Je me retrouvais ni du côté des Québécois montréalais, souches, appelez-les comme on veut, là, ni du côté des Marocains musulmans. J'étais en deux chaises, je me trouvais nulle part avec personne. C'est en écrivant que je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Et c'est en écrivant que ça m'a ouvert la porte à des amitiés aussi, à d'autres expériences, à d'autres backgrounds, si on veut. C'est ça qui m'a aidé justement à recoller les morceaux qui étaient brisés chez moi, puis à aider les autres à recoller les leurs. Ma grand-mère maternelle a été une personne inspirante, a été mon gourou d'islam et de la vie. Et donc, parmi les activités qu'on a partagées, moi et ma grand-mère, lire des textes religieux et discuter de ces textes-là était quelque chose qu'on a fait régulièrement et de façon très aisée et confortable. Donc, pour moi, ce souvenir de ma grand-mère et les textes religieux, c'est un souvenir qui est très, très agréable. Donc, une association dans ma tête de bien-être, finalement.
D'accord. Tu vas corriger ma... La manière dont je fais ça? Ben, j'aimerais bien que ce soit des lignes comme ça, s'il te plaît. Sinon, ça me dérange vachement. Je sais, t'as on a fait... tous nos trucs, hein. Bon, quand alors... tu fais la présentation, tu donnes déjà envie de manger avant même ce soir-là. J'ai une question pour toi, Luna. Mm-hmm. Le ramadan, quand tu vis dans un pays qui n'est pas musulman, c'est quand même vraiment difficile. Je me dis, pour les gens qui ne peuvent pas le faire, est-ce qu'ils doivent se sentir mal parce qu'ils sont isolés, parce que c'est plus difficile? T'en penses quoi, toi? C'est très difficile. Moi-même, je ne l'ai pas fait pendant quelques étés. Mais après, c'est vraiment c'est personnel, parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir comment tu peux tenir. OK? Et bon, voilà quoi. Dieu ne nous veut pas des choses pénibles. Mais quand tu vas dans les pays à dominance musulmane, ben, les gens ont des traditions de ramadan très différentes. Et ça fait partie, en fait, du plaisir de faire ça au Canada, parce qu'il y a des gens de différentes cultures. Et tu te fais inviter, et tu manges des choses, tu vois comment ils font dans leur groupe, même leur façon de culte, leurs vêtements, leur relation avec la famille. C'est super intéressant. Et puis les gens sont tellement plus ouverts pendant le ramadan. Tellement plus acceptant. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu ma akhartu min dhanbi ya rab. Amin. Allez, dig in. Kenza, comment tu fais toi pour tenir là? T'as commencé à faire un ramadan complet? Oui. Yeah. C'est pas trop difficile. Pas tellement difficile que j'ai pensé que ça va être. Comment tu fais? Oh non. Ma fille est née au Canada et elle parle l'anglais, le français et le dialecte marocain de l'arabe. Ce que j'essaie de lui transmettre de ma religion, c'est un peu les mêmes valeurs que j'ai dans ma vie. Donc, mon islam, c'est ma vie quotidienne. Donc, les valeurs que je lui apprends chaque jour, ce sont pour moi des valeurs islamiques. J'ai fait le choix de faire son éducation à la maison, moi-même. Donc, l'année dernière, elle a commencé des cours d'arabe classique, donc, qui ont permis que maintenant, elle est capable très, 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 très doucement de lire et d'écrire en arabe. Et donc, mon objectif, c'est je veux lui donner le pouvoir de pouvoir lire le Coran toute seule, de pouvoir lire les textes religieux toute seule. Okay? Ce sera le cadeau que je lui donne, c'est sa liberté, okay? De pouvoir elle-même lire l'origine de texte. Comment tu l'aimes, cette ville? Énormément. J'aime beaucoup Montréal. Si tu veux manger un couscous, il y en a. Si tu veux manger cuisine mauritanienne, il y en a. Si tu veux manger sénégalais, il y a tout. Ah, c'est ça. Montréal, c'est vraiment ça, quoi. Oui. C'est un mélange. Est-ce que ton chum, lui, il mange un petit peu de la cuisine marocaine? Est-ce qu'il aime ça? Oui, il adore ça. Plus que moi. Oui, je cuisine pas marocain à la maison. J'ai pas ce savoir-faire. Par contre, mon père et ma mère, oui. Donc, quand on va à la maison, c'est souvent ça qu'on mange. Comment ça se passe en famille? J'ai vraiment grandi dans un environnement « islam soft », entre guillemets. Pourquoi? Parce que mes parents m'ont jamais forcé à quoi que ce soit. M'ont jamais forcé à faire la prière, m'ont jamais forcé à faire le ramadan, m'ont jamais forcé à porter le voile. Ma mère porte pas le voile, pour le moment. Donc, j'ai grandi vraiment dans un univers où je pouvais poser des questions, apprendre, copier, arrêter, d'être libre, justement, de cette pratique-là, de cette pratique-là, en fait. Puis ma mère, elle dit tout le temps, c'est toi qui dors dans ton tombeau, c'est toi qui dors dans ton cercueil, c'est pas moi. Moi, je te dis, voici ce qu'on est, voici les pratiques, voici les 5 piliers, fais ce que tu veux. Fait que j'ai vraiment eu cette chance-là. Je sais que c'est pas pareil pour tout le monde. Peu importe la religion, moi je l'ai eu. For me, learning about Islam was very much connected to our social community.
And I had a lovely, happy childhood with this close-knit group of families and friends. And so I was that kid up until grade probably 11. I went to madrasa on Saturday mornings by choice. I could have been home watching cartoons on a Saturday. And we all loved being together. And I grew up going to the Niagara Falls Mosque, which was a really intimate, warm space and very open. I think for my parents, it was hard, and they've come a long way in accepting and engaging with my art practice. And it was hard, you know. Here's their child who they've given a set of rules around body and dress, and I am challenging those ideas and exploring them. So with my parents, we didn't talk about my art for many, many years. It wasn't up for discussion. It was just hard to bridge, like there was just no language around which to talk about it, so. Are you gonna take a picture tonight again and show Nani? She'll be so happy. Remember last time? No. She would be thrilled. She loves it when you make doll. It's... What did she say last time? We just texted her, but she's like, oh, that's so awesome. She's very delighted because that the recipe she's taught me is continuing. I think she especially loves to see her grandkids cooking her food. Makes her very, very happy. You can be the masala man. There we go. All right. Oh, wow. Like so many diasporic communities, we, you know, tend to like ossify the culture, like the parents, and they're like this, you know, and then meanwhile you go back home and things have completely changed or modernized, but the, you know, the diasporic community has like fossilized the culture. And so a lot of us second generation, you know, children feel this, where it's like there's almost a more conservative kind of rigidity around the culture. And so I felt this when I was young in my 20s, for sure. And I felt like I have to kind of maintain things, and I was more worried about keeping things by the book. And as I've gotten older, you know, and I've been married, and part of, you know, and Chris's family and my family have been in each other's lives and co-relating for 23 years. I realized, like, as I age, like, this is the natural evolution and progression of cultures. You know, I'm not so worried about losing my culture. Nice. Dal and rice. Dal and rice day. That rice is exploding. I know. I made lots for, so that everyone can have some. Mm-hmm. Okay. Kyra, would you like to ring the bell since you made the meal? Sure. Okay. Bismillah. Bismillah. J'ai choisi de me marier avec un non-musulman. Et la réalité, c'est que j'ai eu beaucoup de questionnements internes, etc.
Donc, dans le folklore musulman, je vais l'appeler comme ça, allez, le folklore musulman, un homme musulman peut marier une femme chrétienne ou juive ou musulmane, donc des trois religions monothéistes majeures, et une femme musulmane ne peut marier qu'un musulman. Donc, dans le Coran, il y a un verset, effectivement, que les musulmans ne peuvent pas marier les non-croyants, ok, mais c'est pareil pour les femmes et les hommes. Okay, donc après, la distinction entre hommes et femmes, là, elle s'est passée donc, dans des textes qui ne sont pas dans le Coran. Et une valeur qui était importante pour moi dans mon mari, c'est que c'était quelqu'un de croyant. Et il est croyant en un seul Dieu. Et pour moi, c'est très important. De toute façon, dans l'islam, la pratique, elle est personnelle. Le jugement, il est personnel. Il n'y a aucune responsabilité envers les autres en termes de est-ce que tu as fait quelque chose bien ou mal, est-ce que tu suis ou tu ne suis pas, est-ce que tu pratiques ou tu ne pratiques pas, etc. C'est... Chacun est jugé par Dieu. Si tu es musulman, c'est ça que tu crois. Hein? Tu es jugé toi-même avec tes propres actions, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, tes intentions. Comment tu as passé ta vie, ok? Donc, maintenant, quand on a cette responsabilisation qui est personnelle, ça devrait engendrer, ok, une envie dans la personne de vouloir s'améliorer personnellement, ok? C'est comme un self-help book, le Coran. I was really surprised that my father, out of all the parents, my dad wasn't on board with my lesbian marriage. Just because growing up, he kept telling my sister and I to stay away from boys. Right? Stay away from boys. Don't talk to boys. Men are pigs. I'm like, Dad, look who I brought home. I'm very confused. Okay. Well, this was a really interesting conversation to have. You guys been planning this? No. But your teeth again. Okay, it's good. J'ai jamais vu ma vie en pensant de qu'est-ce que les gens pensent. Je pense que j'avais comme un repulsion contre ça, parce que toute ma vie, j'ai entendu mes parents dire, même s'ils sont avancés et éduqués et libéraux and all of that, j'ai toujours entendu qu'est-ce que les gens vont dire. Si j'avais un ami gars, qu'est-ce que les gens vont dire s'ils te voient marcher avec un gars? Who cares? Alors, je vis ma vie. Ultimately, je m'en fous un peu. Revenge stuff. Yeah, just see how he can't really rise to the occasion. You really like the feeling. J'ai remarqué d'un âge très jeune qu'il y avait une différence entre les femmes et les hommes au Moyen-Orient. Les garçons, ils étaient comme, ils pouvaient. Être un garçon, ça voulait dire freedom. C'est quoi ça? Libre. Libre. Puis être une femme, c'est comme t'es protégée constamment, t'es pas supposée de sortir, t'es pas supposée de faire n'importe quoi. Mais un gars, c'est un gars, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Ça m'a fâchée tellement que c'était comme... Ça venait d'une place d'injustice, tu sais. Et j'étais très, très wild. Je voulais vraiment m'exprimer. J'ai pas cru tous les stéréotypes qu'ils étaient comme désignés à les femmes, à les hommes. Alors, depuis un très jeune âge, je voulais être comme rebelle, genre. Je voulais défier les stéréotypes. Puis j'ai trouvé que l'humour, c'était un outil très puissant pour atteindre ces choses-là. Yeah.
se cacher dans les pays ou dans les milieux musulmans, il y a des pratiques misogynes, patriarcales, etc. Donc, je voulais comme voir vraiment, comprendre est-ce que c'est justifié par la religion vraiment? Est-ce que ce sont plus des pratiques qui sont patriarcales comme le patriarcat est répandu ailleurs dans le monde, etc. Donc c'est ça qui m'a poussée à faire plus de recherches, à m'intéresser beaucoup plus au sujet. Puis tranquillement, mon intérêt a comme été beaucoup porté aussi vers les mobilisations des femmes musulmanes. Comment les femmes musulmanes se mobilisent un peu partout dans le monde pour défendre leurs droits. Un des problèmes, justement, qu'il y a depuis les derniers siècles, c'est justement cette, on va dire, cette masculinisation de la figure de l'autorité religieuse musulmane. C'est-à-dire qu'il y a eu, à travers plusieurs siècles au début, que ce soit pendant la vie du prophète Mohammed, que ce soit après, il y a eu des femmes, beaucoup de femmes, qui représentaient une autorité religieuse. Une autorité tant au niveau vraiment du savoir, au niveau académique, etc., qu'au niveau juridique, par exemple. Donc, elles avaient beaucoup de place. Elles enseignaient dans les grands centres en Irak, en Syrie, etc., dans les grands centres, on va dire, religieux. Mais toutes ces femmes-là ont été invisibilisées à travers l'histoire. Et justement, ce qu'on a depuis les derniers siècles, c'est beaucoup cette figure masculine de l'autorité religieuse. Ben bonjour, bonsoir à toutes. C'est ça, aujourd'hui, on va parler du sujet dont on s'était, sur lequel on s'était entendu, qui est les femmes comme figures d'autorité. Donc, c'est un sujet qui est assez chaud, on va dire, parfois. Puis, quand on parle vraiment des femmes comme figures d'autorité, c'est autorité dans le sens large, autorité juridique, politique, académique, religieuse, autorité dans la famille. Il y a un chercheur de Oxford qui s'appelle Akram Nadwi, qui est en fait un Pakistanais qui a fait son doctorat à Oxford, qui essayait de trouver un peu dans l'histoire musulmane combien de... qui sont les femmes qui ont contribué à la construction du savoir autour du hadith, par exemple. Puis il s'attendait à trouver quelques centaines, quelques dizaines de noms. Bien, il a fini par retracer 8000 noms de femmes, 8000 femmes qui ont contribué à la transmission du savoir musulman. Ma motivation vraiment pour créer l'Institut F est née depuis plusieurs années, là, comme pour différentes raisons, on va dire. C'est que d'abord, je voyais qu'il y avait vraiment un manque d'espace, de formation sur la question des droits des femmes et la question de l'islam à partir d'une perspective qui est féministe, et surtout en français. Et elle est où l'alternative pour ces jeunes? Jeunes québécoises musulmanes qui ont le droit de vivre leur foi et qui ont le droit de vivre leur foi de façon vraiment épanouie et qu'elles comprennent aussi que leur foi n'est pas en contradiction avec la société dans laquelle elles vivent. Pour ça que je te comprends, Yacine, quand tu dis... Comme vu que justement on a vécu toutes dans des contextes différents et tout, comment que vous vivez dans le fond votre spiritualité au quotidien ou c'est quoi pour vous d'être vraiment musulmane au quotidien? C'est me retrouver avec d'autres femmes musulmanes, d'où qu'elles viennent, et de pouvoir échanger sur ces questions-là, sur nos parcours en tant que femmes, mais également sur nos interrogations. Parce que j'ai toujours été pleine, en fait, d'interrogations sur les textes, et que ce soit sur le Coran et les hadiths, mais des fois, tu sais, tu n'oses pas le dire, parce que tu es jugée en face. Puis ça fait du bien aussi de savoir qu'on n'est pas la seule à être mal à l'aise parfois avec certains textes, puis qu'on cache ça parce que, justement, parce qu'on ne veut pas être jugé et tout, mais on se questionne, on se questionne, on se questionne, puis à un moment donné, ça fait tellement de bien quand on voit que non, c'est une question ou c'est un texte qui a suscité des interrogations chez d'autres femmes et d'autres hommes aussi parfois, mais on se retrouve justement entre nous, puis on essaie on fait de la recherche aussi là-dessus, puis on essaie de voir comment que... Ouais, non, je te comprends. J'ai comme aussi, j'ai vécu la même chose en 2005-2006. Ouais. Il y a plusieurs choses qui se bousculent dans ma tête. Déjà, il y a l'identité
mon identité en tant que femme, mon identité en tant que noire, mon identité en tant que musulmane, mm-hmm. mon identité en tant que quelqu'un qui a vécu en Afrique, mais qui a aussi vécu à l'Occident. Donc, je me sens ni à l'aise dans un contexte purement occident, si on peut appeler ça, ni dans un contexte purement africain, peu importe comment on les définit. Donc, je me sens toujours comme entre deux, dans ce sens-là. Et également, même dans le contexte musulman, après, il y a la question, en fait, de la religion et de la culture arabe, que moi, en fait, ben, je ne m'identifie pas à ça forcément. Puis c'est pour ça que je te comprends, Yacine, quand tu dis ben, les fausses questions de est-ce que tu es plus ci ou plus ça, est-ce que, tu sais, on peut pas vivre... Comme je peux pas me dire, OK, ben là, je suis au travail et donc mon côté musulman complet, je le mets de côté. Non, je veux dire, j'ai des principes, j'ai des valeurs qui sont influencées par ma foi. Tout nous ramène à notre croyance au final, mm-hmm. sans même qu'on se force. C'est pas du tout une... Au contraire, c'est ouais. pas du tout une contrainte, c'est vraiment quelque chose qui fait de nous quelqu'un de meilleur et puis... Puis sans avoir tout le temps à citer, je veux dire, à dire, ben là, je fais ça parce que c'est oui. dans tel hadith ou dans tel... Je veux dire, si je fais ça, c'est comme si ça, comme tu as dit, c'est intériorisé. C'est notre religion, c'est à nous, ça nous appartient. Puis on n'est pas toute la journée en train de dire non, comme tu dis, ah non, je ne peux pas faire ça, car c'est écrit dans le Coran, page 53. C'est pas ça qu'on fait, c'est on le vit. Beaucoup reprochent qu'on veuille comme forcer les autres à faire comme nous. Pas du tout. Nous, on va le vivre de notre manière. Puis c'est juste qu'il y a des choses qu'on ne fera pas, mais on ne vous impose pas non plus. Mm-hmm. C'est, nous, on ne le fera pas. Vous, faites ce que vous voulez. Mais nous, mm-hmm. non, on ne le fera pas parce qu'on a des valeurs et puis on a des croyances. Mais ouais. c'est comme... Moi, en tout cas, quand je vois, quand on se rencontre, je trouve qu'on accepte vraiment les autres. Puis on aimerait juste ça, qu'on nous accepte, nous, avec nos croyances et nos valeurs. Et tout le monde vivra bien, mm-hmm. je pense. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi de m'identifier comme musulmane. C'est important parce que je veux léguer ça, je veux léguer cet héritage-là, ce bagage culturel-là à mes enfants. C'est important qu'ils sachent que oui, ils vont être métis, puis oui, ils vont avoir papa qui vient de Sherbrooke, mais qu'ils vont avoir aussi des grands-parents qui viennent du Maroc et maman qui est un mélange des deux, c'est-à-dire mon mélange en fait, mon mélange Maroc, Montréal, Canada. Je veux pas que ça se dilue quand ils vont naître, qu'ils perdent ça. Qui soit pas capable de parler avec grand-papa ou grand-maman qui parle arabe, qui savent pas c'est où le Maroc, qui ont jamais été. Fait que je pense qu'en le gardant vivant, en m'identifiant comme musulmane, en faisant la paix avec ça, je vais être capable de le transmettre justement à mes enfants. Je suis arrivée à l'âge adulte, donc mes valeurs étaient déjà là et en fait c'est l'inverse. Moi je cherchais un endroit où mes valeurs personnelles ressembleraient à celles de la majorité. Donc mes valeurs à moi c'était la démocratie, c'était la justice sociale, c'était beaucoup l'égalité entre toutes les femmes et les hommes. C'était, et c'est encore évidemment, la liberté d'expression, la laïcité, c'est important pour moi. Donc, toutes ces valeurs-là, je les avais en arrivant, et elles se sont accentuées. C'est ça qu'elles ont fait. Yeah. Oh, I just feel so lucky to be doing this with you, Charles. Yeah, and to be doing this with our friend here. Bradley. Hello. Bradley, this is the first copper rubbing we're doing it together. Is. This is, this is great. Ready? Okay.
I always think of our word in Lekwungen, Shjalacha, means our extended family. And so we didn't necessarily have terms that, you know, just called someone a friend or a neighbor. We always recognized in our formalities that in one way or another, you know, folks were extended family to us. And so how we interrelated was important. And so it's a staple of who we are. Mm-hmm. And how we conduct ourselves on our lands and our territories. And so to not have an open arm would contradict very much the teachings of my family. There is a verse in the Quran. The translation is like, verily, Allah has made you unto tribes, not to keep you separate, so that you may know each other. So that you may understand each other, learn from each other. So why would I not do that? Like across cultures and across traditions. Yeah, it's such a beautiful gift. I've come to this place where I know how Islam encounters me and the different worldviews that I've inherited by living here in North America, in Vancouver Island, on Lekwungen territory, that there's a conversation constantly happening. And it feels right and good to claim and to live in this space and to know that it's continuing to change and that it's not something that is static. And for that reason, I feel even more committed to claiming that I'm a Muslim artist and continuing to hold and kind of express the plurality of Islam that has always existed and that I really don't want to go away. I think, like any system, it's healthier and far more robust when it's diverse and has like a biodiversity about it. Il n'y a pas une femme musulmane. Et je crois qu'il y a 1,6 milliard de musulmans et de musulmanes à travers le monde. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une femme? OK. Dans les années 70, après la révolution féministe, il y a eu une phrase qui disait « Il n'y a pas... La femme n'existe pas. Il y a des femmes. » Mais chez les musulmanes, c'est la même chose. Il n'y a pas une femme musulmane, il y a des femmes musulmanes. Comme une des conclusions de mon livre, c'est « Il n'y a pas une femme voilée, il y a des femmes voilées. » La femme musulmane n'existe pas. C'est qui la femme québécoise? C'est qui la femme canadienne? De la même façon, ben, on peut pas dire ben, « C'est qui la femme musulmane? » C'est quoi le... C'est, comment elle est? C'est la femme typique musulmane. Il y a tellement une très grande variété que, après ça, on... Comment on peut définir la femme musulmane? Donc, c'est vraiment la même chose que si on commence à un moment donné un discours en parlant toujours de la femme occidentale, puis ça, nécessairement, on tombe dans les clichés. We can live in places of freedom and possibility. We can do that in our imagination, but we can make that real. And I've heard over the years, you know, I think other young women, men, Muslims, non-Muslims, I think we all need to see expanded and limitless images of each other so that we don't pin each other down and hold each other to a single static image. Oh,
Thank you.